Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kafhet, dans la Lechot de Dine le Kihat, vous faute de Shabbat, de prendre des cachets Shabbat. Mishé Eshlo, Keev Gadol Beshinav, Val En Sham Hashash Sakana, Moutar Lamar le Rofegoy la Kolo et Shinav, Beshabbat, Veaf Im Lo Halakol Goufo Mipnekach, Ela Shou Mitztaer, un homme que lui qui a un grand mal à la dent. Et il n'y a pas de Sakana, il n'y a pas de danger. Il peut dire au goy d'aller chez le dentiste goy. Vadaï, Shabbat, on parle que lui, il ne touche rien du tout. Il va chez le goy. Il dit, écoute, qu'il y aura Satan. Veaf, même si maintenant, tout son corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas au lit, le bonhomme. On parle qu'il a très mal, il a mal. Très mal, il n'en peut plus. Il peut y aller chez le goy. Okay. C'est docteur Dupont. Et lui demande, et lui dire que lui, qu'il y aura Satan. Parce qu'il a très grave mal. La falpi, chou messaya, même que maintenant il va aider le goy, de lui arracher Shadan, comment il va l'aider le goy? Le fait qu'il ouvre sa bouche, il aide le goy. Il dit le rab, messaya en bo mamash, aider le goy, okay? C'est pas quelque chose qui est quelque chose de concret. Okay? Il a rien fait le bonhomme, il a rien couvert sa bouche. Ou là, pourquoi le rabbi dit ça? Parce qu'il y a certains poskim que Messaya et Eshbo, mais ceux-là qui l'aide, le goy, tu as ouvert la bouche, il ne faut pas que toi tu ouvres la bouche, il faut que c'est le goy qui ouvre la bouche. Il t'ouvre la bouche. Il dit le raboula. Et le malo me ferou chasse à bourro belachot à surot batora. Par contre, tu n'as pas le droit de dire au goy qui fait les interdictions de Shabbat. Et là, tu dis, tu as trop mal à la dent. Kilo et tiou bezé, la velachot, shisouran de rabanan. Parce que les rachamim, ils ont permis de dire au goy seulement les melachot. Melachot, ça veut dire les interdictions de Shabbat, seulement si c'est des rabanan. Mais aussi, maintenant, il a très, très, très mal, il n'en peut plus. Et quand même, les kadouré argaa. Kadouré argaa, ça veut dire les calmants, ça ne marche plus. Ve'en sham rofe goy. Il n'y a pas un docteur goy. Rachai la leret afilu el rofe yisrael shitaper bo kederach harofim. Il peut dire, bien, au docteur israélien, juif, que lui qui va s'occuper de tes dents, comme l'habitude. Ve'en sham rofe goy, rachai vechulev, mipnei shehu karov, parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un a mal aux dents, c'est karov le pikuach nefesh. C'est presque pikuach nefesh, c'est un danger. C'est un danger. Mamash, quelqu'un qui a mal aux dents, c'est un danger, il ne faut pas laisser et mettre ça de côté. Il dit le rav. Umi shakrulo et hachem. Un homme que lui, qu'on l'a enlevé la dent. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé la sa dent. Et par exemple, jeudi, c'est conseillé de chez le dentiste, on n'y va pas le vendredi ou le jeudi. C'est bien d'y aller dimanche, lundi, mardi. Okay. Il dit le rab. Et un homme que lui, qu'on lui a arraché une dent. Okay. Oh, shiesh lo daleket kala, où il est. Daleket, ça veut dire une. Conjonctivite. Hein? Conjonctivite. Dans les yeux, là, ouais. Non, mais dans les dents. Dans les gencives, dans les gencives. Il y a une infection, exactement. Les rotsé les gargères, mais melach o avkat soda. Il veut prendre des gargarismes. Il veut faire des gargarismes de soda. Soda, c'est une sorte de poudre blanche, là. Il veut faire des gargarismes pour que ça le calme le mal de dents. Je ou moi, il est refoua. Imeno chole, je n'ai pas les mishkam et hamad agirad Hashem. Si maintenant, c'est pas quelqu'un qui est malade, qu'il a mal. Il est au lit. Et là, il a très mal. Parce que on lui a enlevé une dent. Il dit, Laura. Et là, sauf qu'on n'a pas le droit de faire même des gargarismes comme ça. Racha davar nika. Parce que c'est considéré comme une refoua Shabbat. Et on n'a pas le droit de faire, montrer même une refoua Shabbat. Si c'était quelque chose que même les brihim, même les gens qui sont en bonne santé faisaient cela, alors ce sera moutard pour toi aussi. Et sinon, c'est assou. Assouvel mitzarevet, mouta lo le echol be Shabbat,
מלפפון חי, או שהיה ירקות חיים, וכן לשתות מסוד על העברת הצרבת. אני אומר כלי קילה לצרבת. צרבת זה כוח, קילה, קילה דה, זה גרור, אני דה, זה גרור, דה, דה, אני פה פה, מונג'ה, זה לפי מלא, כן, על הגורש. Il peut prendre par exemple un mélafephone. Mélafephone, ça veut dire un concombre. Parce que ça fait passer les aigreurs. Ou par exemple une salade. Il veut pas prendre un cadeau. Oh non, il n'a pas le droit. Néguet sa rêvette, quel? Comment on dit sa rêvette en français? Les aigreurs? Comment? Gastrique. Gastrique. Ah ouais, mais j'ai entendu moi que tu avais le droit de prendre un médicament si tu l'as pris 3 jours avant Shabbat. Enchouba, il y a même 1 minute avant Shabbat. Ah bon? Pas besoin de 3 jours. Tu as pris 1 minute avant Shabbat. T'as le droit de prendre Shabbat. Tu peux le prendre Shabbat. Ah quoi? Ouais. Il a pris un médicament, par exemple, il a déjà le gastro. Gastro. Ouais. Il a des gastro, par exemple, dans la. Et il veut prendre juste avant Shabbat un peu de. C'est le jaune, là. Comment ça s'appelle ça? De l'Ipren. Non. C'est un sachet jaune contre les gastro. L'air sulfuré. Ouais, l'air sulfuré. Oui, oui, oui. Hein? Ne touchez pas à personne. Alors, il y en a qui veulent prendre sa Shabbat, c'est pas le droit seulement si tu as pris avant. Si je prends un avant, je prends un pendant. Tu peux prendre un même pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Tout le problème, il est Michou, je suis cassé le manim. Si maintenant tu avais l'habitude de prendre avant, Shabbat, tu peux prendre. L'air sulfuré, c'est le médicament. Les chèques, ils sont tous les sodes à la barade à la barade à la barade à la barade à Il nous dit le rab, même si tu veux prendre maintenant mes soda, de l'eau de soda, okay, pour faire passer cette gastrique, okay, gastro, il nous dit le rab, puisque maintenant, même des gens qui sont en bonne santé, ils peuvent prendre cela, ils prennent cela, toi aussi tu peux le prendre, il n'y a aucun problème, parce qu'ils nous disent le rab, velo gazrou baem ishoum isourefoua, Donc, Rabbi, tous ces problèmes de médicaments, si on n'a pas l'habitude de prendre, mais si on prend un aussi, Shabbat, aussi. Si tu n'as pas l'habitude de prendre, et aussi, par exemple, si même des gens qui sont, ou ça, okay, par exemple, des gens qui sont en bonne santé, ils peuvent prendre cela. Par exemple, un concombre. Mais toi, quand tu prends ce concombre, ce n'est pas parce que tu as envie d'un concombre, mais là, parce que tu as des gastro. Hein? Alors, tu veux te calmer un peu. Ça te calme maintenant la douleur. Ou par exemple, une salade. Puisque maintenant, des gens qui sont en bonne santé, ils peuvent prendre ce, ils prennent cela, toi aussi tu peux prendre. Alors quoi, ou si maintenant tu as pris la veille de Shabbat, tu peux prendre aussi Shabbat. Non, tous les médicaments, si j'ai l'habitude de prendre, je prends. Ouais. Ou sauf si maintenant, quelqu'un il est tombé malade Shabbat et il sait que c'est une sorte d'antibiotique qu'il doit prendre. Par exemple, le docteur il a dit, s'il a une sorte de maladie comme ça, il est obligé de prendre cela. Il est obligé de prendre ces antibiotiques. Avec les antibiotiques, on ne s'amuse pas. Même qui pour que c'est assourd de manger. C'est Hachemishmo, c'est Hayab Karet. Si maintenant quelqu'un il mange quelque chose, et bien, si maintenant il prend des antibiotiques, il ne faut pas qu'il s'amuse avec. Il faut qu'il pose la question au docteur. Combien prendre? Comment, est-ce qu'il est obligé? En général, les antibiotiques, il est obligé de manger avant. En général, la majorité des antibiotiques. Ça, si on boit un jour, c'est ma pitance, si c'est un gros rhume ou quoi, c'est pas... On va pas des rhumes. Des rhumes. C'est pas affecté, quoi. C'est faux. On s'amuse pas avec la santé. Il y en a des gens qui étaient infectés et ils ont laissé un jour. Ah, c'est Michel, le bonhomme, il est parti. Mm-hmm. J'ai entendu cela. Il faut pas s'amuser. Il y en a un que lui a. Comment il est parti? Il était jeune. 68. Quand il a vu ce jeu. Et puis, pour moi, 18 ans, si j'ai eu un jour d'antibiotique, j'ai pas mourir. Personne que des fois connaît, ne connaît pas sa santé à 100%. Il faut pas laisser aller. Quelqu'un qui est bon, il va chez le docteur il dit c'est bon, va te reposer un peu. D'accord, tu passes déjà chez le médecin. Et encore. Il faut pas dire, mettre de côté les choses et dire c'est bon. Il faut y aller chez le médecin. Il nous dit le Rab et le Rambam. Il faut faire très attention à cela et il faut pas abuser un homme même qu'il est jeune, pas dire c'est bon puisque je suis jeune alors je peux. Non, il faut faire attention à sa santé. Il faut pas s'amuser même avec des jeunes. Moi je connais quelqu'un que lui qui l'a jeûné, qu'il était jeune, ça a pris des dommages parce que lui il savait pas qu'il était faible. Mais en général dans certains domaines, un homme peut-être il se connaît, mais des fois un homme il veut pousser et il pousse et après il paye. On paye après.
Okay. Pas un an, deux ans, trois ans, mais des fois un peu plus. Mais c'est pour cela, il faut se prendre en main. Il ne faut pas aussi être fou. Quand on dit fou, ça veut dire tout le temps d'y aller chez le médecin. Okay. Mais il faut y aller pour... Quand il fait du sport, comme il dit, voilà, Ethan, il faut faire du sport. Même du petit sport, il faut faire du petit sport, du petit tagine. Mais Yesh, juste une question pour être sûr de la racha. Je suis pas grand chose, un petit truc. Mais j'ai pris l'habitude avant Shabbat de prendre le médicament, je peux le prendre pendant Shabbat. Voilà, exactement. Même si c'est pas grand chose. Parce que tout là, le problème, tout là, la chaîne, les choses se cassent à la manie. Mais Yesh, matirim, ah, flishtot, be Shabbat, misat, soda, les tial, et le soir, zé. Yesh, osrim, bazé. Il y en a qui veulent dire que puisque c'est une sarevette, c'est alors on n'a pas le droit de prendre des mes soda, de la poudre de soda. Les okay. Il y en a qui disent que c'est mouta, il y en a qui disent que c'est assou. Et c'est pour cela, c'est conseillé de prendre ce soda et le mettre dans du thé. Azakubaou.